Bonjour à tous. Élever des poules, c'est l'occasion d'avoir des œufs frais presque toute l'année. Mais avant leur arrivée dans votre jardin, préparez-leur des aménagements adaptés. Notez qu'en fonction de la taille de votre installation, il faudra au préalable demander une autorisation à la mairie. Il est également préférable d'en informer votre voisinage. Choisissez avec précaution l'emplacement de votre poulailler. Il faut un terrain herbeux, plat et à l'abri des courants d'air. Les poules sont en effet des animaux sensibles au changement climatique. Évitez de les placer en plein soleil. En été, elles pourraient souffrir de la chaleur. Et comme elles s'affolent facilement, trouvez-leur un endroit calme. Quelle taille doit avoir votre poulailler? Cela dépend du nombre de poules que vous souhaitez accueillir. Si elles sont en liberté toute la journée, un petit modèle fera l'affaire. Sinon, fiez-vous aux indications portées sur les fiches techniques des poulaillers. Elles indiquent la taille nécessaire selon le nombre d'animaux. Si votre jardin est clos, optez pour un modèle de type niche afin qu'elles puissent gambader en toute liberté. Veillez toutefois à leur délimiter un espace à l'aide d'un grillage pour plus de sécurité. Si votre jardin n'est pas clôturé, dirigez-vous vers un poulailler avec enclos. Ajoutez-y un abreuvoir, une mangeoire et des perchoirs pour que vos pensionnaires puissent dormir en hauteur. Le pondoir est quant à lui indispensable pour qu'elles fassent leurs œufs toujours au même endroit et avec sérénité. Enfin, disposez de la litière comme de la paille ou des copeaux de bois. Nettoyez-la régulièrement pour qu'elle reste sèche, confortable et absorbante. Il est également recommandé de traiter votre poulailler contre les parasites et particulièrement contre les poux rouges. Il existe pour cela des sprays ou des poudres antiparasitaires très efficaces. À bientôt !